c'est un beau projet comme on en aime, donc des Canados marocains qui viennent d'inaugurer ce soir une très belle garderie ici à Saint-Eustache. Donc je vous laisse vivre ces moments qui sont tout simplement spontanés et remplis de joie et de fierté, donc de cet bel accomplissement. Donc voilà, donc témoignage de certains responsables officiels et aussi les promoteurs de ce beau projet et évidemment des proches et amis et parents d'enfants. Nous sommes très heureux de participer à l'inauguration officielle du Cocon du Bonheur. Cette nouvelle entreprise à Saint-Eustache apporte du nouveau, un service 7 jours par semaine, 24 heures sur 24. C'est tout un concept et j'espère et je souhaite ardemment que ce sera une belle réussite pour les propriétaires. Donc, bonne chance et bienvenue dans la belle région de la MRC Deux-Montagnes. À Alimentation Mohamed Sbahi, vous êtes chez vous. Les propriétaires de cette superbe garderie qui, en fin de compte, on a travaillé très, très fort avec les propriétaires pour faire le maximum, en fin de compte, pour le bien des enfants. Et c'est une garderie qui est superbe, une des plus belles que j'ai fait, je pense, depuis le temps. Et, ça fait quoi, la 160 quelques garderies que je fais, donc je pense qu'on a fait le tour et surtout l'ouverture des propriétaires. Alors, félicitations encore. C'est le mot que je pourrais dire. Aujourd'hui, c'est l'inauguration de la garderie Le Cocon du Bonheur après presque 12 mois de travail acharné pour réaliser cette œuvre de paix ou de joie pour les parents de la ville de Saint-Eustache et les environs. Donc, on est vraiment content d'accueillir les parents ce soir, la famille, les amis, les partenaires, les collaborateurs qui ont, et aussi toute l'équipe de la garderie qui ont contribué à la réalisation de ce beau projet. Et on remercie en particulier
particulier. Donc pour la communication, elles disent deux raisons de plus. Pour l'architecture, M. Thivierge. Pour les enseignes, Samir, enseigne AGS. Et aussi le propriétaire, qui d'autre j'ai oublié, Carpel pour le gazon synthétique pour le parc, Addison, Bougema pour le système de son, l'alarme. Et je ne... qui d'autre? J'ai oublié. Je ne peux pas oublier les gens. En tout cas, ça fait... c'est sûr que j'ai oublié des collaborateurs, mais je remercie toute l'équipe, toutes les gens qui nous ont encouragés de proche ou de loin pour la réalisation de ce projet. Et on a hâte aujourd'hui de desservir la belle clientèle et les parents, de faire des enfants heureux, comme on le promet dans notre philosophie. Bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Abdelzak, ma femme Fouzia. Ce soir, c'était l'inauguration de la garderie Le Cocon du Bonheur à Saint-Eustache. Vraiment, c'était très très bien, le travail, ça a duré un an. Je remercie ma femme pour son soutien dans ce projet et même pour le sacrifice avec le temps que j'ai passé ici à la garderie pour réaliser ce projet et aller s'occuper des enfants et de son travail aussi. Vraiment, si ce n'était pas son soutien et son encouragement, il n'y avait pas ce projet. Et le projet aussi, c'était un projet qui a murmuré dans nos têtes, moi et Youssef, plus que 2 ans avec son père Tazi. Et réellement, on a démarré le projet le mois de juin 2014. Ça nous a pris un an pour réaliser. Pourquoi? Parce qu'on tient beaucoup aux détails du projet. On est ici à Saint-Eustache sur le 499 Arthur Sauvé, en face de l'hôpital Saint-Eustache. Et on a décidé de prendre la décision d'avoir des horaires 24 heures sur 24 heures, 7 sur 7, pour servir les gens comme l'hôpital, les pompiers, les policiers, vu leur horaire qui n'est pas flexible. Ben, je remercie tout le monde. Je passe la parole à ma femme. Elle va dire un mot parce qu'elle a vécu l'expérience de la deuxième garderie ici à Saint-Eustache. Bonjour tout le monde, je m'appelle Madame Elorzadi, je suis très fière de mon mari. C'était toujours son rêve, puis je l'ai encouragé parce que c'était vraiment un projet qui nous tenait à cœur. Puis il a trouvé la bonne personne, Monsieur Tazi, donc ça aboutit à quelque chose, le cocon du bonheur. Donc on est fiers d'eux, puis je suis très très fière de mon mari. Je le remercie infiniment pour tout ce qu'il fait pour nous. Et en tant que maman, est-ce que vous êtes rassurée que les enfants viennent dans des garderies pareilles? En tant que maman et en tant qu'éducatrice, c'est un bel projet. Puis ça vaut vraiment la peine d'avoir des installations comme ça, 24 heures sur 24 heures, parce que la demande est toujours là. On en a toujours besoin d'un service à n'importe quel moment, que ce soit le week-end. Les gens, ils ont besoin de se reposer, de se retrouver. Puis les enfants, ils s'amusent. Bonjour, je m'appelle Anis Elorzadi, je suis le fils de Abderrazak Elorzadi, propriétaire de cette garderie. Alors tout d'abord, je trouve que vraiment ça a été un résultat obtenu vraiment magnifique, avec de longues heures de travail et puis leur investissement. Ça a donné un bon résultat et je leur souhaite la meilleure des chances. Ben, les enfants qui sont là sont aussi chanceux parce que avec toutes les installations et les jouets qu'ils ont, je crois qu'ils ont, ils ont de quoi s'amuser et se rappeler toute leur vie de ces moments passés ici.
souhaite félicitations à M. Abdelrazak. C'est très joli, très belle couleur, un beau spot. On adore vraiment. Je pense que tous les parents qui vont venir la visiter vont l'adorer. J'invite les parents à venir ici à la garderie parce que je pense qu'ils vont trouver ce qu'ils cherchent vraiment. Que la garderie est superbe, elle est belle et je connais très bien les personnes qui ont conseillé à la garderie et car mon père s'appelle Abdel et je trouve qu'il m'a très bien élevé, je lui dois vraiment quelque chose et cette garderie je suis sûre elle va être merveilleuse et toutes les personnes qui vont venir vont se rappeler de tous les moments passés ici vu qu'elle est merveilleuse. Nous sommes vraiment impatients de recevoir vos enfants dans notre belle garderie, plein de couleurs. Oui, elle est très chaleureuse. On a du plaisir et on a vraiment hâte de vous recevoir tous en grand nombre. Bienvenue au Cocon du Bonheur!